Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Hey, hey, hey. C'est précisément à cause de cette petite interjection, du projet du mot pareil alors que je viens de me réveiller, que je me dis que j'ai peut-être fait une bourde. J'ai essayé à un moment donné de pas achever la nymphe, mais c'est vrai que le premier coup d'épée, j'ai pas essayé de pas lui mettre. Si ça se trouve, ça se serait déroulé différemment. A priori, je ne le saurais pas sans avoir recommencé entièrement le jeu une prochaine fois. En tout cas, tout va pas l'air contente. Et finalement, j'ai donc fait un collage hein, pour le fait que ça se soit découpé en plein de vidéo. L'avantage d'avoir un logiciel déjà intégré dans mon ordi. Il y a un incendie ici. Le bruit que ça fait, j'ai l'impression que l'incendie est toujours un peu en cours quand même. Excusez-moi, je devais éternuer. J'éternue d'émotion. Est-ce que c'était tous des gens qui ont sacrifié leur gosse? Ou c'est les sorcières que le roi a sacrifié, je sais pas. Et il y a encore des braises. Donc a priori. Je viens de voir quelqu'un passer dans le fond. En même temps que je voyais le cheval. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre d'être plus triste de voir le cheval mort que tous les gens ont pendu? En tout cas, une chose est sûre, c'est bonne ambiance dans cette zone. Et maintenant, des gens crucifiés, tout va très bien. J'ai peur qu'ils se mettent à bouger. Et ça fera un chouette screen, ça. Enfin, chouette. Je m'entends, moi. À tout moment, il y en a un qui va se décrocher et m'attaquer. Oh, je le sens pas bien. En plus, j'ai vu quelqu'un qui marchait dans le fond, moi. Oh, c'est dégueulasse. Je sais pas bouger la caméra, donc je sais pas empêcher d'avoir des trucs qui me viennent devant l'écran. Ok. Je vais vomir. Bah, disons-le, c'est étonnant qu'il l'ait pas fait plus tôt. Oui, je contourne là où il a vomi, hein. C'est un peu logique. Quand on gère, on marche pas dedans.
normalement. Est-ce que je le sens passer sur ces planches, moi? Pas ultra stable. Oh, les petits rats. J'aime bien les petits rats. Une pancarte. Welcome. Welcome till Belchelt. Je sais toujours pas c'est quoi le... la langue. La nationalité. Faudrait que je me renseigne en fait. Alors, on a des oiseaux qui bouffent un cadavre. J'allais vous laisser manger tranquille, moi. C'était pas mon pote, donc... Bon app. J'imagine que c'est un genre d'église ici. J'ai moyen envie d'interagir avec la madame. Je préfère les bouquins, moi. Je peux pas lire le bouquin. À mon avis, il doit y avoir une petite poupée ici. Ah là. J'ai la poupée de la nymphe. Je suis joie. J'avais peur qu'elle soit quelque part dans la grande zone en feu. Mais si j'interagis pas avec elle et que je vais direct à la porte, est-ce que c'est vraiment un problème? Ah ben à mon avis, elle a la clé. Ah, c'est un pignon. Ça va faire quoi? Ça me rassure pas en fait. D'accord, c'est fermé. Ah, je suis bête, j'ai pas vu le tiroir. Bah, c'est glauque, elle essaie de s'enfuir. Est-ce qu'on n'a pas vu plus glauque jusqu'à maintenant, finalement? Je comprends que ça me fait plus grand chose. Par contre, les cannibales, je les ai mis d'elle, moi. Je sens que je vais devoir être discret. Je vais pas prendre le risque de tester d'aller vers eux. Pas de chemin par ici. Ah, oh, c'est pas sympa ça. Attends. J'ai vu un espèce de... Voilà. C'est à prévoir. C'est passé. J'y croyais pas une seconde, mais c'est passé. En passant, faut qu'on me poursuive. Ouais, non, c'est pas. Pourquoi me poursuivre vu qu'ils ont déjà mangé? Mais y'a rien à faire par là?
peux les attirer et me cacher. À quel moment c'est devenu un jeu de zombies? Je sais pas au final si j'ai pas plus de chances de survivre en passant là. Ça passe. La manette a vibré, j'ai pas compris. Ouh là là. Et je vais faire comment avec ce groupe là, moi? Quoique j'ai peut-être une idée, là. Allez, la mouche, c'est pas le moment. Très mal de le convaincre que j'ai le temps de passer. Non, j'avais atteint le truc. Oh, c'est cool, ça me fait démarrer. Et donc là, ce qui m'a fait repérer, c'est les oiseaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Regarde les barbelés. Là, il y a des corps. Je vois le dessin d'une bougie. Ah, ce bruit de mastication dégueulasse me met très mal à l'aise. Je vais mourir si j'ai la faim. Je le sens pas tellement d'être ici. Ah ben j'espère que c'est pas un indice trop important parce que j'ai rien compris. Ah, une histoire. Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned. And those who did had lost their minds. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman, but to no avail. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Then one night, when the moon shone at its brightest,
5 brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. C'est vrai qu'avec un manteau, ça fait toute la différence. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. Donc j'ai bien fait de la buter. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. Ok, donc ça c'est l'histoire de la nymphe que je viens d'éliminer. Donc finalement tout va pas contente, mais plus mal que je l'ai buté, non? Je redécore mais pas les zombies qui vont avec, ça me rassure pas. Analyse. C'est les oiseaux là qui vont foutre dans la merde. Je peux vraiment s'inquiéter de me barrer. Mais oui, mais. Si c'était moi, je leur lançais un caillou. Je me dis en vrai. En vrai, arriver par là, ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'elle est. Ah si. Ah! Putain. Mon idée c'est de les attirer à gauche pour me barrer à droite. Mais non, tu n'as rien vu, il ne s'est rien passé. Tout va pour mieux. Tu sais ce qu'elle a dit des trucs. Nanané. Allez, hop, voilà. Ça, c'est fait. Bon, il y a toujours des autres herbes, donc. Je suis pas totalement rassurée. Coucou les rats. J'entends plus de mastication. Déjà une bonne chose. J'imagine que je peux escalader ça. Il y a rien. Et la fenêtre est pas ouverte. Ça me sert à quoi? Ah si. Essayer. Je vois sa silhouette. Je
Je sais pas même par où je vais passer. Donc rien à s'arrêter de battre pendant quelques secondes, mais ça va. Allez. Et je la vois la personne dans le fond là. C'est cette personne que j'avais vu passer en arrière-plan avant. Je m'attendais pas à tomber. J'entends pas. Il y a une autre porte qui brûle. J'entends pas de bruit de mastication dégueulasse. Je vais tomber là, j'imagine. Ok, on a à nouveau cet exercice là. La bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, je sais comment ça marche. Donc là, on a une porte en feu. 1, 2, 3, 4, 5. Exa ? Non. Je sais plus. Cette forme là. Un genre d'épée. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Ok. Carré, ok. Ça il me faut. C'est donc cette forme là que j'ai plus. Ensuite. Ça. Aussi, je pense. Quoi d'autre? Les ronds, petits points, non. Là, j'ai quoi? La petite croix, oui. Je pourrais ça. Je pense que je suis pas mal. Je peux pas être prêt. Donc, j'ai l'examen machin, la croix qui se met là, la petite croix en dessous. Normalement, ça devrait être bon. Après, je peux pas m'empêcher de me dire que cette mécanique a déjà eu, à mon avis, il va se passer un truc. Oh, je. Bah oui. Donc carré, triangle, losange et trois petits points. Je sais pas s'il y a un ordre. Non. Losange, oui. Carré, oui. Ça, non. Le triangle. Ah, les trois points. Donc j'avais dit carré, triangle, losange et trois petits points. Je crois que c'était tout. J'ai pas mal. Donc carré, triangle, losange, trois petits points. Voilà. Ah, quand je vois comment j'ai galéré pour le dernier. J'ai revu l'épisode hier. Donc pour là, il va peut-être. Il me faut. Peut-être. Une clé. Bagarre. Garden. J'ai l'impression que c'est genre un truc d'enfant. Pas sûr que j'ai envie de voir les enfants. Oh, cet angle de vue, c'est dégueulasse. Ah, je suis pas bien.
Me sont observés, j'aime pas ça. J'ai la clé. J'aime quand même pas ça. Ah, c'est stressant! J'ai plus envie de retourner là en fait. Il était déjà là le corps. Ok, il y a du sang. C'est à quoi de faire ça? Est-ce qu'il y a des trucs là? Allez. Oh, ça va, gamin, apprends à nager. Je crois que j'avais pas monté assez haut en fait. Là je peux plus haut. Hop. Ouais, j'étais pas aussi haut. J'imagine que la logique ce serait plutôt là. Voilà. Et puis de là, hop. Hop. Et j'arrive ici. Ça doit être un village de pêcheurs. Merci Captain Ovi au sommet. Oh pardon, je voulais pas te faire peur, petit rat mignon. Un genre de fleur. J'aurais bien pris son couteau, moi. J'ai pas l'impression qu'il y a un intérêt à être là. Sais que dire. Ce gamin a pas l'air de trouver ça logique de descendre de la même façon qu'il est monté. Je sais quoi, je vais à droite. Je voulais aller là. Rien. Bon, la mouche ne te met pas devant la caméra. Je vais te faire une commotion cérébrale. Je suis toujours attentif au bruit que j'entends quand j'entends. Allez, la mouche, arrête!
Merci. Oh, pardon, les rats. Pourquoi me brûcher ça? Parce que la bougie, c'est une façon de dire, hey, c'est par là que tu dois aller. Dire pour une fois ça a l'air d'être un lieu sympa. Il y a la lumière. Mais bon, il y a un cadavre aussi. Encore une fois. Oh cool. Dear diary. I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. À mon avis, il a trompé. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. It feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Every morning, someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves. And they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I got separated from my love. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. I miss him so much. Oh, c'est super triste. Ils ont donc fait un cumul peste et zombie. Est-ce que si j'y vais, genre comme ça, ça marche mieux ou est-ce que je trouve? Ok, non. Bon, on va tenter de courir, j'imagine. Ok, ça marche. Ah, mais pas des vues comme ça, c'est pas... Qui me regarde? Arrêtez de faire ça, ça m'a mal à l'aise. Ce jeu est super bien foutu. C'est malaisant possible. Table. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Il y a encore des zombies. J'imagine. J'allais là.
Et je vois les zombies là. Oh là là. J'ai des ennuis si j'allume. J'ai pas spécialement envie de marcher dans le marbre. Je vais pouvoir aller là, il y a du sang partout. Il y a un escalier. Gauche et quoi. Ok. Je pense que l'idée c'est que je prenne l'escalier. Je sais pas ce que signifient les croix. Les croix, j'ai perdu ma voix. Je crois qu'il est tombé. Oh là là. Pas trop sûr de ce qui attend même moi là. Ok. J'ai pas l'impression de voir de trou là. Oh, je suis tellement proche. Je le touche là si j'avance, non? Y a pas la manivelle. Je pense que la manivelle est là. Je pense qu'il va m'entendre si je tombe. Hop. Ok, je l'ai. Vas-y, gueule encore plus fort, gamin. Ça va. Oh putain. Oui, bah excuse-moi, je ne vois rien. Non, personne. Il y a 1 kg de farine. Mais c'est vraiment bien le moment de s'en inquiéter. Je vais pas faire du pain, hein. Ok, là je ressors. Là-bas il y a un zombie. Ok, ok. Ah, je vois un... Fuck. Une passerelle en haut. Je pense qu'il faut que je prenne cette passerelle.
Attends, j'ai pas repassé de l'autre côté? Bah. Visiblement, c'est pas ça. J'ai pas dû bien voir un truc. Voilà, je sais pas ce qu'elle a dit. C'est là que je viens, non? Quoique. Non, ça me dit rien. Bon. Tout va bien. Là, c'est l'église. Je vais faire un petit cut ici, dans cette merveilleuse ambiance de d'église, voilà, tout ça, tout ça. Je vais enchaîner directement avec un autre épisode, mais comme ça j'ai des épisodes qui sont pas trop longs. Voilà, voilà. Hop. Ce jeu est vraiment cool. Autant graphiquement qu'au niveau du gameplay, il est très 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 bien. Et je suis toujours pas à l'aise. Mais je pense que c'est ce qui fait la marque d'un bon jeu avec moi. Bon. Je quitte. Et je relance un épisode direct. Et pour ceux qui regardent les vidéos sur ma chaîne YouTube, bah, de toute façon, tout sera bien rangé dans des petits dossiers comme d'habitude. Bye bye!